Rosas construit un nouveau réseau télécom 100% neuf, 100% en fibre optique sur 13 000 km. Voilà comment ça se passe. La fibre optique arrive à Strasbourg et Colmar. Et déjà, c'est quoi cette fibre optique? La fibre optique permet de faire passer de la lumière pour transporter les informations vers l'abonné. La fibre sur le réseau Rosas permet d'avoir jusqu'à 1 gigabit par seconde de débit. La fibre optique est donc distribuée du nord au sud de l'Alsace dans 696 communes. Cette distribution passe d'abord par 47 nœuds de raccordement optique. En voici une maquette. On peut comparer ça à un émetteur. Pour chaque NRO, on pourra distribuer le signal pour à peu près 10 à 15 000 personnes. De là, la fibre optique part ensuite vers 640 sous-répartiteurs optiques. Regardez cette autre maquette. Sur le même principe que le réseau télécom, donc on a une ligne par position. Chaque abonné a une fibre dédiée. Suite du voyage. Par poteau en aérien ou par des fourreaux en souterrain, la fibre optique atteint quelques 100 000 points de branchement optique. Il se trouve soit dans des chambres souterraines, soit sur des poteaux. Le câble de distribution avec du SRO, il nous permet de faire une soudure et de repartir chez l'abonné. En règle générale, chaque PBO permet de distribuer 6 abonnés. C'est de ce point de branchement optique que part le dernier tronçon de fibre optique vers votre grenier ou votre sous-sol, où une prise terminale optique est installée. On soude de la fibre et derrière on a un point de sortie comme une prise télécom. Et de cette prise sort le signal vers la box du client. Un autre équipement peut s'ajouter. Dans certains cas, on installera un ONT qui sera alimenté électriquement et qui permettra de transformer donc la lumière en impulsion électrique. Cet ONT peut être indépendant ou directement intégré dans la box de votre opérateur. La box permet de réceptionner donc le signal lumineux et donc de regarder la télé et de pouvoir téléphoner et d'avoir la Wi-Fi. Une partie du débit de la box est réservée pour la télé et le reste va pour l'Internet, pour tout ce qui est tablette, téléphone portable en Wi-Fi. Voilà, vous y êtes. À vous des débits Internet inégalés et des usages numériques insoupçonnés et fiables. Alors, à vous la fibre !